j'ai assez frais dans la maison sans garocher dehors la chaleur qui reste, j'ai... Ouais. Qu'est-ce que tu fais dehors, habillé de même? Ah, Génie était tellement pressé de partir qu'elle a oublié de clencher à la porte comme du monde. Les livreurs de journaux n'avaient pas le compas dans l'œil le matin. Un peu plus, puis c'est dans le garage, j'aurais été obligé de courir après. Hein? Comme ça risque de t'intéresser puisque moi, je te le donne. Tes bougons le payer? C'est à cause de Génie? T'aurais pu se dispenser cette année d'aller passer le temps des fêtes au bout du lac sauvage, d'un chac en bois rond. C'est comme une manière de rituel pour elle puis Benjamin. Et s'ils sont heureux de même, tu devrais t'en réjouir. Tu m'as toujours pas dit qu'est-ce que tu pensais du fait que t'es à nouveau grand-père. Et puis deux fois, plutôt qu'une. Peu importe comment puis pourquoi les enfants rient, c'est toujours comme un cadeau du ciel. Je suis content de te l'entendre dire. Je suis content de voir aussi que t'as changé de comportement par rapport à Léonie Bérubé. Je mêle pas les enfants qu'elle vient d'avoir de Charles avec le reste. C'est-à-dire? Fallu que Léonie accouche chez Marie-Victor pour que j'apprenne après tout le monde ce qu'elle avait fait avec ses terres à bois. T'as même payé ses dettes sans que je le sache. Il voulait pas que j'en parle. Manu est au courant, pourtant. Pourquoi lui, puis pas moi? Et ça répond pas. Je connais la réponse. Si je t'en ai pas parlé, c'était pas pour te jouer dans le dos. Quand Marie-Victor m'a remboursé, je ne savais même pas qu'ils avaient vendu ces terres à bois. Je pensais plutôt qu'ils avaient plumé à bonne femme qui pensionne chez eux. Mais, jette plutôt un coup d'œil à ça. Après tout, c'est à toi qu'on doit d'avoir gagné ce point-là. Ah ben, je suis bien content pour toi si ma proposition a fait le bonheur de tout le monde. Et là, tu vas m'excuser, mais j'ai des téléphones à faire. Ça fait pas mal de pilules avalées en même temps. Que ça y passe pas trop de travers dans le gorgoton, ça augure tout compte fait pas si mal pour la suite du monde. Faut que je te parle, Lévi. Je veux pas parler. Je t'en ai de parler. C'est important pour toi. Ça l'est pas pour moi. Pourquoi on me laisse pas tranquille? Tu fais de la peine à tout le monde quand tu boudes comme ça. Je boude pas. Appelle ça comme tu veux, mais ça change rien pour ce que tu vis. Je peux comprendre que tu acceptes mal que Brunan et Aurore soient là maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas changer, personne. C'est pas ça qui m'a fait chier. C'est quoi? Même Charles savait pas que Léon attendait des jumelles. Moi, on me demande tout le temps de tout dire, même quand c'est secret. Charles aussi bien que moi, on a chicané Léonie pour ça. Ce serait donc souhaitable pour tout le monde qu'on tourne la page là-dessus, tu penses pas? Ça change rien pour Charles. C'est à peine s'il me voit quand je passe devant lui. Les jumelles sont pas arrivées depuis bien longtemps. Et ça fait déjà une semaine. Les relevailles, c'est toujours plus difficile quand on a deux enfants en même temps. Si Charles met autant de soins par devers Léonie, c'est pas qu'il veut te négliger. C'est plutôt une simple question de temps qui y manque. Il a même pris congé à beurre et fromage de Saint-Paul-la-Croix. Il m'écoute pas non plus quand je parle du projet que je prépare avec Mandoline pour après les fêtes. J'aurais dû accepter l'invitation de Fanny, puis m'en aller à Paris. Quand on veut que la paire vienne au fond de soi, faut toujours faire le premier pas. Moi, je sortirais de la chambre, puis j'irais dans celle de Charles puis de Léonie. J'embrasserais Aurore puis Brunante. J'ai besoin d'y penser avant. Maintenant ou plus tard, j'ai pas l'impression que la porte de chambre de Léonie Pitcher va changer de place. Jolie fille. Jolie fille, t'es trop mignonne. Je l'avais dit qu'on avait qu'à les tenir sur nous autres. Peau nue contre peau nue, quelques minutes, puis que ça suffirait. Ça s'appelle la méthode kangourou. On l'enseigne maintenant à l'université.
Les enfants grandissent mieux si dans les premiers temps, t'es tiens contre toi, peau nue contre peau nue. Quand Bouscott est venu au monde, toi puis Fanny, vous faisiez pas ça. Non. La méthode kangourou était pas encore sortie des limbes. À part ça, c'était pas tellement le genre de Fanny de parer sur lit avec un enfant dans les bras. C'est peut-être pour ça que Bouscott est mal à main plus souvent qu'autrement. Des fois, c'est des petites choses simples comme celle-là qui changent tout. Bouscott, il trouve que je m'occupe pas assez de lui, là. Tu comptes faire quoi pour qu'il change d'attitude? Je vais mettre un homme là-dessus dès que je vais sortir de la chambre. Mais avant, t'as une réponse à me donner. Tu m'as pas encore dit pourquoi tu t'attends à me cacher que t'attendais des jumelles. Je t'ai déjà répondu là-dessus. Non. Pas vraiment. Quand je l'ai appris chez le médecin, moi-même, je voulais pas y croire. Je savais pas non plus comment tu prendrais ça. Je voulais surtout pas te remettre en cause entre toi puis moi. Moi, c'est ce que j'appelle avoir manqué de confiance en moi, ça. Un enfant ou bien deux, quelle différence ça fait, ça, dans l'amour que j'ai de toi? Je t'aurais accompagné avec la même intensité. Sinon, davantage. Ça me frustre que t'en aies douté. Tu vas avoir de la misère à me le pardonner, c'est ça que tu veux me dire? Je veux pas déranger longtemps. Mais tu déranges pas, Roger? Pourquoi tu penses ça? J'ai pas dit que je le pensais. Non, c'est parce que je voudrais juste que vous sachiez que je suis content pour vous deux. Puis que je suis content pour les jumelles aussi. Je voudrais les embrasser pour qu'elles le sachent. Ben oui, il y en a une qui est un peu forte chez vous. On est fait plaisir. Votre grand-frère maintenant. Si vous avez besoin de moi, je serai là. Tout le temps. Je serai là. J'aimerais ça que tu restes avec nous autres quelques minutes. Il n'y aura pas de place dans le lit. Mais oui, il y a de la place dans le lit. Aurore et Brunante, c'est deux beaux noms, je trouve. Mais pas en tant que Lévi, par exemple. C'est du beau travail. Ça mérite congé pour le reste de la journée, puis pour demain aussi. Ben, je peux rester s'il y a autre chose à faire. Je vais pas dans ma famille à Québec qu'avant ce soir. Profites-en donc pour t'épiverder ailleurs. Puis ça, c'est pour te remercier pour tous les bons services que tu m'as rendus pendant l'année. Ben, j'ai déjà été payé pour. Mettons que c'est une prime pour le plaisir que tu m'apportes. Je sais pas quoi dire. Un simple joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vais au bar à la porte en sortant. C'est une excellente idée. Je te remercie, Gabriel. Un peu de bonheur pour prendre l'apéro. Ah, tu passes la nuit blanche, mettons que le temps n'a pas le même sens que l'ordinaire. Ça fait une semaine que Léonie a accouché. Il me semble que tu devrais commencer à t'en remettre. Oh, je jonglais pas par devers elle. T'es en droit d'être fâchée contre Marie-Victor, hein, je le comprends. Ces terres à bois, c'est d'abord toi qui les as payées. Tu sortiras jamais assez de planches là-dedans pour compenser tout le trouble que Marie-Victor nous a donné, aussi bien à toi qu'à moi. Il servait cet argent-là à bon escient, au moins. Je pense que ça va servir à s'établir comme grand gourou d'une secte religieuse dont la seule idée, c'est d'embobiner le monde pour mieux le plumer. C'est pas tellement ça de Marie-Victor qui devrait t'empêcher de dormir, mais celui de Victorienne. Quand Léonie a accouché au Bic, t'aurais pu profiter de l'occasion pour renouer avec Victorienne. Elle était tellement contente que les enfants de Charles naissent chez elle qu'elle t'aurait accueilli non seulement avec plaisir, mais avec toute l'affection qu'elle a toujours eue pour toi. Ah, peut-être bien, peut-être. Sauf que ma fâcherie contre Marie-Victor m'a ramené sur un tout autre terrain. J'aurais risqué d'écorcher du monde autour.
y compris la femme de Charles. Penses-tu, toi, qu'elle l'avait mis au courant pour les terres à bois de Marie-Victor? Moi, je mettrais ma main au feu que ça n'a pas été le cas. Mais je le saurais bien tôt ou tard. Même si c'était vrai, quelle importance? Mais ça prouverait ma théorie sur Léonie Bérubé, à l'effet qu'elle agit pas innocemment. Après avoir mis le grappin sur la beurrie fromagerie de Charles, une partie de la squatette puis les terres à bois de Marie-Victor, ça me paraît comme évident qu'elle s'arrêtera pas là. Hein? Quand on va se retrouver à Saint-Jean-de-Dieu aujourd'hui, j'espère que c'est pas le discours que tu vas tenir. Si je vais chez Bérubé, c'est d'abord pour Bouscotte. Charles a deux autres enfants maintenant. Ah, je vais aussi pour les deux autres enfants de Charles. Mais dis-t'en toi, Philippe. Peu importe ce qu'on pense du reste, les enfants, c'est quelque chose de sacré. Je te remercie, Antoine. Et le caucus, c'est pas levé, puis ça me bien, là. Je m'en vais juste dans la salle à manger chercher les autres cadeaux. Et je t'accompagne au cas où tu passerais tout droit. Je peux attendre quelques minutes, là. J'aimerais ça être fixé par rapport à tes intentions sur Rosaire. Tu devais m'en parler en venant de Paris, mais t'es resté dans le raccoin des bonnes intentions. Je préférerais qu'on attende que le temps des fêtes soit passé avant d'en discuter. Pourquoi tu me le dis pas franchement? Qu'une fois que le château de Saint-Fabien va être restauré, tu vas aller vivre là avec Rosaire? J'ai pas encore arrêté ma décision définitive. Tu parles pas à un représentant de Petrobasque, là. À quelqu'un qui était ton compagnon pendant 30 ans. Ça serait trop pour toi de le rester encore pendant une quinzaine de jours. Comment dire, ça risque de me tomber dessus une fois que Philippe va être élu député. Fais pas exprès pour mélanger les choses. Bien évidemment que je fais exprès. Bien évidemment. J'aurais pu rester. Pour une fois que j'aurais eu l'occasion de m'occuper un peu des jumelles, ça m'aurait fait plaisir. C'est à peine si t'es sortie de la maison depuis une semaine. Même la besogne pour les bêtes, c'est Samuel qui s'en est chargé. De voir un peu de paysage aujourd'hui, je trouve pas que tu devrais t'en plaindre. Arrange-toi donc pour la garder dehors quelques heures. Je vais faire mon gros possible, crains pas. Mais pendant ce temps-là, là, essaye donc de penser à la demande que Marie-Victor m'a faite. M'appelle tous les jours là, pour savoir ce qui arrive avec. Ma réponse, tu la connais. C'est pas parce que j'ai accouché chez eux que je vais renégocier un contrat qui était signé en bonne et due forme. Ces terres à bois, je les ai payés le prix qu'il fallait. J'ajouterai pas une vieille scène noire de plus là-dessus. Ben, dans ce cas-là, tu devrais y dire. C'est pas à moi qui s'est adressé pour ça. C'est donc à toi d'y faire réponse. Et qui vous parlait? Léonie va t'expliquer. Nous autres, faut qu'on s'en aille. Bye. Bye. Quoi le problème? Parce que nos filles sont venues au monde dans la maison chez eux. Marie-Victor s'imagine que je vais fonder une œuvre de bienfaisance en sa faveur. Payer l'autobus dont il va avoir besoin le printemps prochain, t'as qu'à dire. Marie-Victor veut s'acheter un autobus? Mmh. À quoi ça pourrait bien servir? Fouille-moi, j'en ai pas la moindre idée. Attends. Je peux m'en charger, si tu veux. Non, je pense que Bouscotte va apprécier davantage s'il donne à boire aux jumelles avec moi. Dans ce cas-là, je dis plus rien. Moi-même, rester dans la cuisine tout le temps qu'il va falloir. Bonjour. Ah. Bonjour. Me semblait que tu devais venir seulement après-midi. C'est parce que je pensais que mes cadeaux seraient pas prêts avant. Cadeaux? Mais c'est surtout celui que j'apporte pour les jumelles que j'ai hâte de donner. Enlève tes bottes. Wow! Et vas-y. Pour la chambre, je connais le chemin. OK. Allô? Si je réponds au téléphone, c'est bien évident que je suis encore à la maison. Mon cadeau de Noël n'est pas encore emballé quand j'en ai fini avec. Compte sur moi, Philippe. Tu vas me voir arriver au quartier général pour la petite fête que tu as organisée. C'est ça. À tantôt. Mais assez attendu maintenant, passons enfin aux choses sérieuses. Bien dormi, malgré tout. Si
Si t'as pas l'intention de venir avec moi, serait temps que tu me le dises. Tu t'égosillais pas à votre place. T'es pas en haut, mais dans mon bureau. Pas la peine de vouloir me cacher que tu vas faire un cadeau à Mélina. Ah! Pourquoi il faudrait à tout prix que ça soit à Mélina? Il y en a pour tout le reste du monde sous le sapin dans le salon. Mais ça m'avoue rien mis là, moi, avec une carte au nom de Bouscotte. Ah. Autant des fêtes, là, c'est une bonne occasion pour porter de jugement téméraire. Juste pour te faire plaisir, je vais l'ajouter à ma liste des résolutions pour le nouvel an. C'est que moi, je me serais dispensé aujourd'hui d'aller me traîner savate au quartier général du Parti des Régions. Ah, Philippe veut remercier tous ceux qui travaillent pour son élection. Généralement, on fait ça après avoir été élu, pas avant. Arrête donc d'être grogneux pour rien. Je blaguais, hein? Tu blaguais, bien évidemment. Maudits hommes. Ma grand-mère m'a aidée, surtout pour les bordures. Elle me dit que si c'était pas à votre goût, qu'elle les reprendrait. Oh, tu diras merci à ta grand-mère pour t'avoir aussi bien aidée. Oui, 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 attends. C'est une chance pour Bouscotte d'avoir une amie comme Mandoline. Ouais. Elle est tellement pleine de vie. Les enfants en santé, c'est toujours réjouissant. Il y a comme un nuage dans tes yeux quand tu dis ça. Oui. As-tu peur que nos filles... Non, 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 non. Mmh. Elles vont manger le soleil par grande mordée. Mmh. Non, c'est plutôt à Victorienne que je pensais. Un enfant... Il finira peut-être par en avoir un jour. Ouais, mais en attendant, il y a sans doute quelque chose qu'on pourrait faire pour qu'elle oublie un peu sa frustration. Raconte. J'aurais dû au moins confirmer à la mère de Charles que je viendrais à Trois-Pistoles, mais je me suis vraiment décidée à la dernière minute. Même une fois rendue à l'aéroport de Montréal, je savais pas quoi faire. T'es la mère de Bouscotte. Personne pourrait trouver quoi que ce soit à redire parce que tu veux le voir. Hmm. Ça me paraît moins simple maintenant que je sais pour les jumelles qui sont arrivées dans la vie de Charles. Me demande bien qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi puis Bouscotte, sinon pour le mieux. Quand on est le seul enfant d'une famille pendant des années, c'est rare qu'on accepte facilement de partager ses affections avec d'autres, puis d'autant plus quand ces autres-là sont que vos demi-sœurs. T'as l'air de bien connaître le sujet. Quand ma mère est morte puis que mon père s'est remarié, j'avais l'âge de Bouscotte. J'ai pas accueilli Mélina comme un cadeau du ciel, loin de là. On a été quelques années à se retrouver plutôt à couteau tiré. Vous avez pourtant l'air de bien vous adonner maintenant. Mettons qu'avec les années, on a aplani pas mal d'obstacles. Puis c'est peut-être la même chose qui va survenir quand Bouscotte va se retrouver devant toi. J'aurais voulu te poser des questions sur la vie que tu mènes à Paris. Mais t'es tellement resplendissant. Ça se devine tout de suite que t'es heureuse. J'ai un beau rôle au théâtre, un autre dans un feuilleton télévisé. Je prête ma voix pour des films qu'on double. Je manque pas de travail. Je faisais pas tellement allusion à ta vie professionnelle, mais à l'autre, la privée. Mais t'es pas obligée de rien m'en dire parce que je voudrais pas faire preuve d'indiscrétion. J'ai pas grand-chose à cacher là-dessus. Je le dirais sans doute pas à tout le monde, mais à toi... Ça me pose aucun problème. Pendant les répétitions du Roi Sommeur, je suis tombée en amour avec une des comédiennes. Depuis ce temps-là, je rêve à Saint-Jean-de-Luz, puis aux chasseurs de baleines, avec plein d'eau devant moi, puis plein de lumière. Ma numéro c'est à l'appareil. Hey! Énerve-toi pas le poil des jambes pour rien, c'est pas aujourd'hui que tu fais ton entrée au Parlement de Québec. Non, quelques minutes, Philippe, le temps de demander mon taxi, puis j'arrive. Je ferais volontiers une croix sur le Parti des Régions aujourd'hui, mais j'en connais un qui le prendrait du mauvais bord. Tu me l'as demandé, sauf que je me sens un peu mal à l'aise de ta compagnie. C'est un dépouillement d'arbre de Noël pour remercier les bénévoles du Parti des Régions. Dans le brouhaha que ça va faire, c'est la meilleure place où aller pour renouer avec le paysage de par chez nous. Avant, j'ai quelque chose à te remettre. J'en reviens tout de suite. Pourquoi un chèque? T'as quand même pas oublié que quand je suis allée en Californie, c'est toi qui as payé pour mon voyage. En échange seulement d'un Oscar à venir,
ou bien non d'un César. Si ça devait arriver un jour, ça compensera pour les intérêts. Il y a autre chose aussi dans l'enveloppe pour le petit cadeau que tu voulais faire à ta sœur. Le jour où je vais la faire encadrer pour la remettre à Mélina, ce sera un grand moment. Puis ce grand moment-là, c'est à toi que je le devrai. Merci, Fanny. Du fond du cœur, merci. Merci d'être là, tout le monde. Depuis quelque temps, les bonnes nouvelles se succèdent les unes après les autres pour le Parti des régions. Encore ce matin, Info Dimanche a salué le réalisme de notre programme politique, en particulier pour nos solutions sur la question amérindienne. Nous sommes capables de négocier d'égal à égal avec tout le monde. Et nous sommes capables aussi de trouver des solutions qui soient justes et équitables pour tout le monde. C'est une question de solidarité régionale, de dignité et d'honneur. Mais nous avons encore d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer. Oui, je suis heureuse de vous apprendre que notre dernier sondage maison nous met maintenant nez à nez avec le Parti québécois puis le Parti libéral partout dans le comté de Rivière-du-Loup. On a tous travaillé très fort pour en arriver là, puis on va tous continuer à travailler très fort, même durant le temps des fêtes, pour que le jour de l'élection, ça soit un véritable triomphe, triomphe qu'on va vous devoir à vous tous. Merci d'être là, merci de croire à l'avenir. Mais là, on va laisser la politique de côté pour quelques heures, hein? Ah oui, pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé avec nous, on a pensé offrir un petit présent à chacun. Alors, j'inviterai donc tous les enfants à s'approcher du Père Noël pour recevoir une étrenne, modeste peut-être, mais qui exprime toute notre reconnaissance. Je suis content que tu sois là. Vous aussi, M. Thomas, ça me fait plaisir que vous soyez venu. C'est à vous qu'on doit s'être entendu par rapport à votre point. Le mérite en vient sur toi, M. Beauchemin. Sans sa proposition, on débattrait encore longtemps de notre cause, sans grand espoir d'arriver à quelque chose. Un peu de raison, de temps en temps, ça peut pas nuire à personne, hein? Ouais, mais s'amuser, de temps en temps aussi, ça peut pas nuire à personne. On a un orchestre qui joue de la musique, ça manque juste de danseurs pour l'accompagner. Ah ben ça, c'est la meilleure idée qu'a eu le Parti des régions depuis le début de la campagne électorale. Ben. Moi, j'achète ça tout de suite. Tu te permets? T'as pas de permission à me demander. T'auras pas le choix, tu vas être obligé de danser avec une vieille tour des quartiers partout. Pour que la fête soit vraiment réussie, il manquait que la fête des étoiles. La voici. Des sondeurs. Hey, c'est le fun que vous soyez descendu. On se voit après fête. Salut. Hey, vous êtes pas obligé de partir tout de suite? Je pense que vous avez des choses à discuter ensemble. Je savais même pas que Fanny était à trois pistoles. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a pas seulement trois pistoles qui vont être au courant. Je vais essayer de faire en sorte que ça change rien pour Saint-Jean-de-Dieu. Je vous promets d'agir pour le mieux dans ce sens-là. C'est pas à personne de nous autres à décider quoi faire. Pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que Fanny est la bienvenue chez nous si elle veut voir Lévis. Puis pour le souper qui est prévu, ça change rien non plus. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous autres. Ben merci. Hein. Salut. Ah. Peu importe comment ça va tourner, moi, je serai là comme un seul homme. Penses-tu que quelqu'un doutait du contraire? Hmm? Mais moi, je peux pas rester plus longtemps. Hein. Rosa m'attend, Saint-Fabien. Tu peux quand même me dire. T'en penses quoi? C'est bien simple. On peut pas empêcher une mère de voir son fils. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, Philippe. Le reste, c'est de la politique. Joyeux Noël. Salut.
c'est qu'on en est à cette heure. Au même point que tantôt. Fanny doit repartir après-demain pour Montréal. Elle peut donc pas attendre les calendes grecques pour se retrouver à Saint-Jean-de-Dieu. Peut-être que si t'appelais Charles, ça réglerait une bonne partie du problème. Il a raison. Il n'y a rien à voir là-dedans, personne. Sauf Charles puis Fanny. Bon, mais si on veut finir notre magasinage, il faudrait y penser maintenant. Porte de maison chez nous, jamais barré. N'importe quel temps, vous pouvez y venir. Merci, M. Beauchemin. À tantôt, peut-être. À tantôt. Allez. Comment ça se fait que Fanny est arrivée avec toi? En d'autres circonstances, quelqu'un a déjà dit « J'y peux rien, c'est la veine noire de la destinée. » Pourquoi je serais pas content quand ça se manifeste de façon aussi inattendue? Ça yeah. Fait plaisir à voir. Et tu trouves pas que c'est un petit peu trop écrianché? Mais pas à tout. Même que, comme ça, ça serait encore mieux. Ah, t'es belle rare, Victorienne. De quoi me redonner le goût de me marier un autre fois en dessous de la couverture? Il me semble que je vais dépareiller à Saint-Jean-de-Dieu. Les reines font jamais dépareiller. C'est le sujet qui sont pas à leur place. Hein? Puis moi, quand même mieux que de l'étoffe du pays, tu trouves pas? T'as l'air d'un premier ministre. Merci bien pour la politique. Un député dans la famille, c'est de reste assez. Mais pour la cravate, j'étais pas certain. Mais peut-être qu'avec un bon nœud Windsor, ça va me rentrer le gorgoton juste au bon endroit. J'ai pas fait de nœud Windsor depuis une éternité. Quand tu viens au monde avec des doigts de fée, tu perds jamais la touche. T'es sûr que c'est une bonne idée qu'on aille chez les Berbilles? Y'a pas tout l'or du monde. Je vois pas pourquoi qu'on s'en priverait. D'autant plus que j'ai un petit contentieux à régler avec Léonie. J'espère bien avoir le bout toujours du même. Elle t'a payé pour les terres en bois. Peut-être, mais c'est en m'induisant en erreur sur le piétage de madrier que le moulin assis de Squatec allait en tirer. Plus de profit d'un bord devra en donner plus de l'eau. Ça risque de faire de la chicane. Ben non, tu me connais mieux que ça. M'en finir de négocier mon affaire sans que personne s'en rende compte. Tu vas pouvoir catcher les jumelles en toute tranquillité. C'est pas être au souper, ça risque d'être pas mal plus animé que tu penses. Fait des mois que le beau-père t'a pas vu. Belle comme t'es aujourd'hui, il va juste se rendre compte de sa mauvaise foi de mécréant. Regarde. Y a personne qui réussit aussi bien que toi les nœuds Windsor. Attends. Tiens. Puis? T'es pareil comme quand on s'est mariés. Ah, t'es bien fine de me le dire. Le reste de l'attelage est en bas. Le carrosse de la princesse bien-aimée est derrière la porte. Faites-moi l'honneur, gentille dame, d'y venir avec moi. Viens vous dire. Ça va durer longtemps encore. Il y a juste toi qui peux savoir. Si tu penses que t'as mis Fanny assez loin dans ta tête, tu peux les rouvrir tes yeux. Sinon, faut que tu restes dans le même temps que tu y seras pas arrivé. Moi, c'est ce que j'ai fait un matin pour ma mère. Dans ma tête, je suis entrée dans l'hôpital. Je me suis rendue jusqu'à sa chambre. Elle est assise devant la fenêtre, les mains toutes enveloppées parce que sinon, elle se mange les doigts jusqu'au sang. Je me suis approchée d'elle, je l'ai embrassée, puis j'ai dit: c'est pas de ma faute si t'es malade puis que tu peux pas t'occuper de moi. Je sais que tu m'aimes pareil. Je te souhaite un joyeux Noël, ma. Mais l'autre jour, tu m'as dit que ta mère était guérie. Elle l'était ce jour-là. Mais le lendemain, c'était redevenu pareil comme avant. Elle s'est assise sur la table dans la cuisine. Elle se mordait les mains puis elle pleurait. Mon père est obligé de la ramener à l'hôpital. Ta mère à toi est peut-être loin, mais pas schizophrène comme la mienne. Et Fanny l'était avant que je m'en aille de Montréal. Sur les cassettes, ça se voit qu'elle est guérie maintenant. Moi, c'était de même pour ma mère. Je ne demanderais rien d'autre. Le reste, juste d'y rêver, je serais contente.
peux ouvrir ton cadeau maintenant? C'est pas encore Noël. Fais comme moi, rêve que ça l'est. Les aiguilles d'une horloge vont vite dans ce temps-là. Voyez, ouvrez. Attends, il faut que je t'explique quelque chose. C'est sa mec qui m'a aidé pour le réaliser. C'est pas tout à fait réussi à mon goût, mais j'ai travaillé fort. C'est beau. Faux petit poème, mais écrit pour vrai. Bien bougon tu es souvent, ostineux comme pas un, utile parfois, mais malgré toi, si tu as un vrai rêve, cosmonaute est celui-là. Ou bien explorateur de la grande planète rouge, tu es si fin quand je le veux. Tu pourrais être bien davantage. Et mon ami d'abord, et mon amoureux aussi. Mandoline. C'est un beau poème. Il est pas beau. Il est juste vrai. Un cosmonaute puis une poète, tu trouves pas que c'est une combinaison gagnante? Je sais bien, Fanny, mais il me semble la moindre des choses, là, ça aurait été que tu me préviennes avant. Ben, s'il y a pas moyen de faire autrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Oui, je peux en parler à Léonie, mais je vois vraiment pas ce que ça peut changer, là. Attends une minute. Fanny, t'as trop pistolet. C'est d'accord pour moi, Charles. En autant que Bouscott soit d'accord, lui aussi. Ben oui, mais si je l'avertis de même, sans mettre de gants blancs, je suis pas sûr que ça va tourner pour le mieux. Dis oui, Fanny. Tu verras pour Bouscott après. Sinon, on va parlementer là-dessus encore demain matin. Fanny, écoute, t'arrives quand tu veux. Laisse-moi un peu de temps que je l'annonce à Bouscott, là. OK, à plus tard. J'avais peur de devoir vous apprendre la nouvelle, ce qui m'entichait pas plus que ça. Comment ça se fait que t'es au courant? Ça a plus tellement d'importance maintenant. On va faire simplement comme ça va se présenter. Écoute, il est pas encore trop tard, là. Non. On va parler à Bouscott, on va avancer plus vite demain. La journée était probablement trop belle pour que ça puisse durer sans accroc nulle part. Si notre présence à Samek et à moi pose problème... Et en ce qui me concerne, il n'y a pas de problème nulle part. Au salon, ça va être encore plus évident. Certain qu'on dérange pas? Vous savez que je suis toujours contente de vous voir. C'est pas la bonne journée pour être dans la lune, Mandoline. J'étais pas dans la lune. Je faisais rentrer ma mère loin dans ma tête. Pour quelle raison? Fanny est tellement belle que ma mère le prend mal. Dans ma tête, en tout cas. Mais c'est fini maintenant. Si c'est pas le cas, faut me le dire. Je l'ai barré le tiroir qui voulait s'ouvrir. Je penserai pour moi jusqu'à demain. C'est quand même toi qui décides, là. C'est pas moi, ni même Fanny. J'ai plus rien décidé. Fanny va être là tantôt. Tu sais, des fois, les problèmes, c'est mieux de les régler quand ils se présentent. Je t'aime, Bouscott. Puis ça changera jamais. C'est donc trois nains qui sont assis ensemble en train de prendre un verre. Le plus petit des trois dit aux deux autres, « Moi, je suis certain d'avoir les plus beaux petits pieds du monde. » Le deuxième répond à son tour, « Mais ça me dérange pas que tu aies les plus beaux petits pieds du monde, parce que moi, je suis assuré d'avoir les plus belles petites mains de tout l'univers. » Le troisième rétorque à son tour, « C'est de la petite bien épinette, ça, comparé à moi, parce que moi, je possède la plus petite queue jamais vue chez des nains. » Avec les choses dites, les trois nains s'en mettent à boire. Ouais, pas drôle ton histoire si ça finit de même. Ben, tant que je la débourre au complet, tu verras bien.
Donc, les trois nains se remettent à boire. Après qu'il va, le plus petit des trois dit, « Si on est si convaincu que ça, d'avoir les plus petits pieds, puis les plus belles petites mains, puis la plus petite queue de tout l'univers, pourquoi est-ce qu'on ferait pas inscrire ça dans le livre des records Guinness? » Ça fait que les trois nains remplissent un formulaire, puis envoient ça à l'adresse de Guinness, qui les invite à venir prouver leurs prétentions. Fait que les trois nains se retrouvent donc dans une grande salle, remplie de nains, qui étaient venus là parce qu'eux autres aussi avaient des bien petits pieds, puis des bien petites mains, puis des rôdeuses de petites queues. Fait que le premier nain est appelé dans un bureau. Il en ressort tout joyeux, toi, monsieur. C'est vrai qu'il avait les plus beaux petits pieds du monde. Ça a été pareil pour le deuxième. Mais quand le troisième est ressorti du bureau, t'as clair à voir son visage tout déconcrissé que c'est pas lui qui avait la plus petite queue de l'univers. Ça fait qu'en regardant les autres nains rassemblés dans la grande salle, il dit, comme un matou fâché en rabette, « C'est qui le cœur en nain mal à manger de même qui s'appelle Manu Morancy? Ah! » T'étais plus comique quand t'es moins jeu au vent. Tiens ça. Tout s'est bien passé au salon. Au moins, on ne sort pas dans la niaiserie par-dessus la tête. C'était peut-être pas le moment pour raconter une histoire pareille. La vengeance est parfois douce au cœur de l'Indien. Sauf le respect que je vous dois. Moi, j'ai pas de misère à vivre avec ça, pantoute. Ah, manquait plus rien que le beau-père. Je crée bien que c'est lui qui arrive. J'ai pas encore vu les jumelles. J'aimerais ça le faire avant que tout le monde soit là. Charles et Léonie sont en train de les pomponner. Ça va leur faire plaisir si tu vas les rejoindre. Tu viens avec moi? Ben, ça manquerait de monde pour le comité d'accueil. Je suis aussi bien resté ici. Moi, je peux vous accompagner? Ben oui, tu peux. Viens. On est peut-être un peu en retard. Hein? Ah, vous arrivez comme ça à clôture, le beau-père, mais on vous chicanera pas pour ça. Hey, toi, t'es mal placé pour donner l'absolution sur quoi que ce soit. Hein? Ne grognez pas pour rien. Vous allez peut-être pas le croire, le beau-père, mais je me suis ennuyé de vous. Excuse-moi. Je suis content qu'on passe enfin de l'autre côté du miroir. Je veux bien mettre entre parenthèses tout ce qui est entre toi et moi. Mais je te préviens, c'est valable seulement pour aujourd'hui. On tape là-dessus, le beau-père. Ouais. Pour moi, ça peut pas être plus petit guidou que ça, pas toi. Ben oui. Même si je me suis comporté tout croche, la chose la plus importante que je tenais à te dire, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Je t'aime partout au-dedans de moi. Mais c'est toi qui décides. De ton côté, il reste encore une petite place pour moi dans ton cœur. Il n'y a plus rien comme avant, Fanny. Maintenant, je le sais qu'avant, tu vivais tout le temps dans un film. Il y avait juste moi qui savais. Il y avait juste moi qui comprenais jusqu'à quel point c'était beau. Et je le comprenais aussi. Tu comprenais pas la même chose que moi. Fallait bien que j'imagine que t'étais dans un film. Sinon, j'aurais pas eu place pour vrai. Tu vas m'en vouloir pour tout le temps. T'accepteras jamais qu'on devienne au moins des amis tous les deux? Avant, je t'aurais dit non. Et si je te répondais de même, ce serait pas fin pour Mandoline. Elle, sa mère l'aime. Mais c'est pas dans un film qu'elle vit. C'est dans un hôpital parce qu'il est devenu folle. On n'en sortira jamais de l'hôpital. Même si elle retourne à la maison chez elle. Personne ne peut la guérir. Même pas Mandoline. Ça pourrait arriver pourtant. Dans un film, ce serait peut-être possible. Mais pas ailleurs. Je pourrais pas devenir même ton amie si je savais rien à propos de la mère de Mandoline. Elle aimerait ça que sa mère soit avec elle aujourd'hui. Je voudrais juste qu'elle nous voie tous les deux ensemble. Puis elle s'imagine que c'est pareil pour elle puis sa mère. Tu comprends? Oui. Je comprends exactement ce que t'attends de moi. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Tout le monde doit être au salon à cette heure. Avant, j'aimerais ça te serrer dans mes bras. Puis t'embrasser aussi. Ce serait encore comme dans un film. Ce serait pas assez vrai. Vous étiez pas obligé de leur mettre les petites chaussettes que j'ai apportées.
Ça va faire rire tout le monde. C'est les plus belles choses que j'ai jamais vues. J'aurais pas pu trouver une meilleure réponse. Ben, étant donné qu'on est d'accord tout le monde, il nous reste plus qu'à descendre et rejoindre les autres. J'aurais une faveur à te demander avant. C'est une journée où je peux rien te refuser. Ça serait plus facile pour moi d'entrer au salon si je tenais Bruna en main libre. J'aurais moins de misère à envisager pas, en tout cas, pour les premières minutes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tiens, je vais apprendre ça. Tiens. Tellement beau, un défi. Tellement beau. Je pense que tu mérites aussi d'entrer au salon avec Aurore. Si je tombe des marches avec elle. C'est impossible. Pas une journée comme aujourd'hui. C'est bien certain. C'est comme ça. On y va? On y va. Après, il faut les arrêter. Qu'est-ce que tu veux déjà que je te porte comme vin? Non, pas de vin. Je cherche depuis hier les mots que je pourrais vous dire, mais j'en ai pas trouvé vraiment qui exprimerait le sentiment qui m'habite. Oui. Je suis un mari comblé, un père heureux, puis trois fois heureux de l'être. Je vous remercie d'être tous là aujourd'hui avec Léonie puis moi pour vivre un si beau moment. Ah oui. J'emprunterai à Victor Hugo un petit bout de poésie pour vous dire encore mon bonheur. OK. Dans le frais clair-obscur du soir léger qui tombe, Aurore, pareil au cygne, brunante à la colombe, belle et toutes les deux joyeuses, ô douceur, et pour les regarder devant elle, un vol de papillons comme arrêté dans l'espace, immobile, mais tout plein d'extase. Bravo. Quelle douceur. Monsieur Beauchemin, j'aimerais que vous approchiez. Moi? Mm-hmm. Pourquoi moi? Ben, en mon nom et en celui de Charles, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi donc? Même si on ne fera pas baptiser nos enfants, on aimerait que ce soit vous, leur parrain. Je peux vraiment pas... vraiment pas refuser. On a une marraine pour m'aider. Pour la marraine, on souhaiterait aussi que ce soit Victorienne. Je sais pas quoi dire. Je suis trop excitée. C'est pas grave. On est tout le monde autant que toi, je pense. Je vais essayer d'être la meilleure des marraines. Je te promets de t'accompagner. C'est meilleur de moi-même. Joyeux Noël, ma grande. Je veux dire, joyeux Noël tout court. Hein? Joyeux Noël, pareil. Adolescente de 14 ans, amoureuse d'hommes plus vieux et les petits miracles de la rue Notre-Dame grâce au soutien du réseau. Deux sujets traités par Enjeu, tout de suite après la pause.